Tous, nous sommes de retour au Nantes Innovation Forum pour cette deuxième journée, deuxième et dernière journée. J'espère que vous avez jusqu'à présent eu un moment d'échange, d'écoute, de dialogue, que vous avez aussi appris beaucoup de choses sur Nantes, ce qui se passe à Nantes et pourquoi Nantes a été capitale européenne de l'innovation. Nous sommes aujourd'hui dans un format un peu plus réduit avec deux tables rondes qui nous attendent. Une à 14h15 qui parlera de comment devenir capitale européenne de l'innovation. Et plus tard, à 16h, la dernière table ronde qui parlera des villes post-Covid. Mais avant cela, nous sommes sur ce moment de la conférence secret. Alors, qu'est-ce que nous cache ce secret à Nantes? Vous allez voir un moment de créativité sur le territoire nantais en plein centre-ville. Peut-être que même vous à Nantes ne l'avez pas encore vu. C'est maintenant. On est dans la ville de Nantes, il y a quelques particularités, notamment le fait que c'est une ville de rivière. C'est une ville avec plus d'une dizaine de rivières qui viennent rejoindre la Loire dans la ville de Nantes. Souvent dans les villes, il n'y a qu'une à deux rivières. Ici, on a une géographie qu'on appelle en doigt de gant avec de nombreuses rivières. Autour de ces rivières, on a des grandes coulées vertes. Et ces coulées vertes ont généré un paysage bien particulier, bien connu des Nantais, qui font qu'aujourd'hui, sur les 5000 hectares de la ville, on a plus de 1000 qui sont des espaces verts. Donc un cinquième de la ville sont des espaces verts et ils sont gérés par 500 jardiniers. Donc une ville avec beaucoup de verts, beaucoup de jardiniers. Mais à quoi ils servent? Ils servent d'une part à accompagner la nature à rentrer, parce qu'avec ces rivières qui rentrent comme des doigts de gants, on a de nombreuses espèces d'animaux, de plantes. On a par exemple à quelques mètres d'ici une loutre qui a été observée plusieurs fois avec une caméra dédiée la nuit. Voilà, à 100 mètres de la mairie. On a des plantes rarissimes comme l'angélique des estuaires qui ne pousse que dans l'estuaire de la Loire et dans l'estuaire de la Gironde dans le monde. Donc vraiment des plantes rarissimes. La plus grande station d'angélique des estuaires est située sur l'île de Nantes à quelques mètres d'ici aussi. Donc ça, c'est un côté écologie, biodiversité, grand couloir, trame verte et bleue. Mais les jardiniers, ils ont une autre facette, c'est qu'ils accompagnent la vie des arbres, parce qu'un paysage, c'est d'abord un arbre. C'est-à-dire que les paysages sont souvent définis par l'arbre ou la non-présence de l'arbre. La forêt, ben, c'est quand il n'y a que des arbres. La savane, c'est quand les arbres sont éparses. La prairie, c'est quand il n'y a plus d'arbres. Et donc on voit que c'est l'arbre qui reste, parce qu'évidemment, c'est lui qui dure des années et des années. Il y a d'ailleurs un très beau projet avec un grand métasequoia. Je vous invite à voir sur l'île de Nantes, et voir, on parlera peut-être. Mais les arbres, c'est à la fois ce qui nous rattache à ce qu'il y avait avant, c'est ce qui nous fait penser à l'avenir, mais c'est aussi ce qui héberge une grande biodiversité. On a de nombreux chênes centenaires dans Nantes qui sont les témoignages des anciennes haies bocagères, dans lesquelles il y a des dizaines et des dizaines d'insectes, comme le grand capricorne, qui est une espèce protégée au niveau national. Le jardin, donc, c'est bien pour la nature. La nature est souvent un petit peu éloignée de l'homme, la nature est sauvage, c'est ce qui nous fait un petit peu peur, mais on peut la domestiquer. Et quand on la domestique, on peut entre autres s'en nourrir. Et c'est un projet qu'on a mené cette année suite à la crise du Covid, les paysages nourriciers. Donc c'est de transformer des paysages habituellement constitués de fleurs en paysages constitués de plantes potagères, de plantes qui se mangent. Et c'est ainsi que 50 potagers sont nés dans la ville. Voilà, il y a 25 équipes, donc chaque équipe a fait deux potagers dans la ville, au pied d'HLM, au pied du muséum, au pied de zones particulièrement riches de Nantes, au pied de zones particulièrement, on va dire, pauvres de Nantes. Et tous ces légumes ont été ramassés, enfin sont ramassés chaque semaine et sont distribués à l'échelle des micro-quartiers à ceux qui en ont le plus besoin, à ceux qui, dans le cas de l'aide alimentaire, n'ont aujourd'hui que sinon des boîtes de conserve ou des aliments préfabriqués. On va produire sur l'année 25 000 kilos de légumes
Donc on imagine pour 1000 personnes, enfin 1000 familles, comme si on avait donné 25 kilos de légumes. Et donc ce travail, je pense que c'est le travail de demain des jardiniers. Avant, on faisait des jardins pour être vus. On les a transformés en jardins pour y vivre. On les a aussi fait en jardins pour que la nature puisse vivre. On en fait aussi des jardins avec la crise qui servent à se nourrir, à se sustenter et qui allient, on va dire, l'utile à l'agréable. Et enfin, quand on est dans un endroit où il n'y avait pas de jardin, quand on est dans des contextes extrêmement urbains, on va dire difficiles, dans tous les cas, dont la difficulté à vivre se révèle, bah, notamment quand il fait 40 degrés dehors. Là, dans ces endroits où, à la base, les jardiniers ne venaient pas, eh bien, il a fallu être chamboulé un petit peu, et c'est le rôle aussi des artistes, de venir entre des murs de béton, dans une micro-faille, révéler des plantes, voire même charger un petit peu l'affaire, et transformer les lieux, comme ici, avec cette jungle intérieure, ou voilà, dans un endroit qui ressemble à tant d'autres endroits, aussi moche que des dizaines et des dizaines d'endroits, où il y a du béton à plat, du béton debout, du béton au-dessus, pour un peu, on va dire, voilà, paysage typique des villes, eh bien, un coup de magie, un coup d'artiste, mais une maîtrise de jardinier transforme le lieu en un endroit où tout d'un coup on a envie de se reposer et qui devient même complètement hallucinant, une attraction touristique d'un endroit voilà, sans intérêt particulier à la base. Donc voilà les grands rôles des jardins, accueillir la biodiversité, s'appuyer sur les arbres qui sont vraiment un ancrage majeur pour le paysage, pour la biodiversité, pour l'émotion, s'il n'y a pas de jardin sans émotion, faire vivre les gens dans les jardins, permettre de faire des jardins qui permettent de vivre, des jardins qui permettent de manger et puis des jardins qui viennent casser cette dureté du béton, surtout voilà, en plein été quand il fait très chaud. On est ici dans un jardin très particulier qui s'appelle Jungle Intérieure, qui est un jardin vraiment dans l'hypercentre historique de Nantes et qui est en fait inclus entre quatre murs d'immeubles dans un endroit, dans un passage, passage Bouchot, qui est un endroit assez inattendu. Donc on est en plein foisonnement, la vie urbaine, et j'ai créé ce jardin petit à petit, j'ai commencé il y a 14 années. J'habite ici, hein, au pied de ce jardin en fait, et l'idée c'était tout simplement de créer et de proposer un lieu de quiétude et de beauté et de contemplation. Donc ça m'allait bien parce que pour moi, un des enjeux majeurs en ce moment, c'est le prendre le temps, la décélération. Donc c'est rappeler à tous qu'une activité très simple, très saine, regarder un jardin et se nourrir de cette vision-là, apporte du bien-être. On est confronté notamment à la densification des villes. Je suis pour, mais je suis pour dans de très bonnes conditions. Donc dans tous ces interstices de la ville, c'est l'idée de réaliser des jardins inattendus et qui viennent revigorer comme ça, qui viennent donner tout simplement un sentiment de bien-être. Alors ce jardin s'est fait petit à petit. Depuis 3 années, je suis en partenariat avec le Voyage à Nantes et le SEV, ce qui a permis de partager ce jardin qui était d'abord secret avec un maximum de personnes. Et c'est donc devenu une étape en fait d'un parcours culturel et touristique. Et ce jardin, on a fait construire pour ça une sorte de belvédère, un escalier qui propose une vue comme ça panoramique de 10 toits, c'est un jardin suspendu, hein, vraiment sur des toits qui à la base étaient vides et surfaces bétonnées. Donc c'est vraiment l'idée de la luxuriance, de la colonisation, de la végétalisation, sans se restreindre vraiment d'une manière très très généreuse à l'horizontale, à la verticale. Alors évidemment, j'ai de la chance avec ce projet parce qu'il embarquait beaucoup de monde derrière. C'est aussi parce que l'alignement des planètes est bon. C'est vrai que moi, par exemple, les questionnements d'ordre écologique, ils sont nourris depuis l'enfance. Mais là, vraiment, c'est à fond dans les préoccupations actuelles. Donc, ça tombe bien et tout le monde s'y intéresse. Moi, ce que j'espère, ce projet qui, au départ, est une sorte de pulsion irrépressible, hein, c'est ma passion du végétal, se transforme maintenant en impulsion, embarque d'autres personnes qui ont envie de créer ça ailleurs, à différentes échelles, pour que tous ces interstices de la ville deviennent des petits trésors verts, comme ça, des petites pépites urbaines, des mini-jungles, en fait, pour proposer ces moments de bien-être, tout simplement. Et ces moments de bien-être, bah, évidemment, avec la crise du Covid, on en avait encore plus besoin. Là, je voyais mes voisins qui étaient au balcon pour se donner, justement, des moments de relaxation et de bien-être. Tous les voisins aux fenêtres, que j'espère ont pu
avec qui j'ai pu partager cette proposition végétale. Pour moi, c'est très important parce que je suis à la fois plasticien, donc je crée des œuvres, mais par-dessus tout, ce qui importe, c'est la notion d'art de vivre. Et cette notion, elle englobe ma pratique artistique, ma pratique du jardinage, mais essayer de penser toutes choses comme ça de manière assez généreuse dans l'idée d'un dialogue. Alors, c'est un dialogue avec un alphabet qui est autre, c'est pas les mêmes termes, c'est pas les mêmes mots. Là, c'est visuel, c'est de l'ordre de la contemplation, de la respiration, du ralentissement. Voilà, c'est ça en fait l'idée de ce jardin. Il y a un enjeu majeur pour moi dans ce projet, avec ce jardin, c'est de rappeler à tous ceux qui l'auraient oublié, et ça arrive, combien la présence de la nature est salvatrice et indispensable. Certaines personnes sont assez déconnectées, des saisons par exemple, du végétal tout simplement, et ont oublié quel bien-être tout ça peut apporter. Alors moi je suis d'autant plus heureux quand je vois des groupes de scolaires, des enfants qui viennent et qui voient des fleurs, des plantes, qui respirent des parfums, et qui voient que en plein centre-ville, en fait, dans le jardin, il y a de plus en plus d'oiseaux. Il y a de plus en plus de variétés d'insectes aussi. Donc il y a une biodiversité, c'est un enjeu majeur. Ici, par exemple, j'ai un couple de chardonnerets qui s'est installé depuis 2 ans. C'est vraiment l'oiseau de la campagne. Et cette chose-là, en fait, la résurgence de la nature, hein, mais vraiment comme étendard, comme projet, comme totem, je poursuis ça, encore une fois, avec le voyage à Nantes, avec un projet qui s'appelle Psélion de Lille et qui est une intervention urbaine au milieu d'un quartier sur l'île de Nantes qui vient de surgir, qui vient de pousser. Et on a fait implanter l'hiver dernier un métasequoia adulte qui a déjà 50 ans et qui fait 20 mètres dans l'idée de le faire rivaliser déjà avec les architectures alentours et que cette présence végétale surgisse, qui propose comme ça aussi cette place centrale. On a cette image d'Épinal en tête, de l'arbre dans les villages, au centre de la place, où on va faire le marché, où il va y avoir les bancs, où les gens vont parler entre eux. Vraiment donc cet esprit de convivialité. Et au pied de cet arbre, le deuxième élément de cette proposition à la fois végétale et artistique, c'est un anneau géant, un psellion. Le psellion, c'était un bijou antique, en fait, qui est aussi finalement une couronne ou un élément de mobilier urbain, comme un anneau, qui vient sertir comme ça la base de cet arbre remarquable et dans lequel sont insérés une douzaine de médaillons en grès maillé qui évoquent l'existence fossilisée d'éléments de végétation. Il y a 12 éléments, il y a rapport au solstice, aux saisons, etc. Donc c'est aussi proposer des choses extrêmement simples qu'on aurait tendance à oublier parce qu'on va trop vite, parce qu'on ne prend plus le temps. Voilà, une proposition artistique pour se réunir et tout simplement savourer cette saveur de la vie. Ce qu'il faut arriver à imaginer, c'est que quand je suis arrivé ici il y a 14 années, c'était le vide absolu. Ce jardin, il est complètement hors sol, tout est en pot. Donc j'ai commencé très humblement à mettre 3 pots dans une cour. On ne m'a pas freiné, donc j'ai commencé à en mettre 20, 30. Et puis je me suis dit, tiens, je peux accéder à ce toit, puis ce toit me fait accéder à un autre. Donc en fait, l'idée aussi, je parlais de pulsion, c'était l'invasion. Et j'utilise ce terme volontairement parce que souvent les gens ont peur d'être envahis par le végétal. Mais moi, c'est ce que je propose. Je propose d'être enveloppé par le végétal parce que c'est un réconfort. Et puis après tout, les envahisseurs, c'est quand même un peu nous à la base. Donc il faut se réacclimater avec la présence végétale. Voilà une belle vidéo qui nous fait découvrir un nouvel endroit à Nantes. Moi personnellement, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas non plus Nantes. Mais il me semble qu'il y a même des Nantais qui peut-être ne connaissaient pas non plus cet endroit. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Evor lui-même. Bonjour. Bonjour. Evor, artiste plasticien. Oui. Alors je me demande, quelle est la place du végétal dans l'œuvre artistique d'un artiste plasticien ? Ça dépend des artistes évidemment, mais moi je suis à une période charnière, donc auparavant j'utilisais pas le végétal dans la réalisation de sculptures par exemple, mais avec tout ce qui se passe actuellement, du coup je commence à lier les deux, parce qu'il faut aussi savoir le faire de la manière adéquate, je n'étais pas prêt avant. Oui, j'ai cru comprendre que vous avez commencé simplement avec quelques graines en pot. Mais c'est ça. Donc je suis encore aujourd'hui très surpris par la dimension que ça a pris et l'intérêt que ça suscite. Et les voisins également ont vu développer ce projet comme vous. Petit à petit, et puis une phase d'accélération il y a 3 ans avec le voyage à Nantes. Mais c'est vrai que ceux qui sont sur place comme moi depuis une quinzaine d'années ou plus, eh bien, ont vu s'expandre cette masse verte petit à petit.
Il y avait quelque chose aussi qui m'intéressait, c'était ce que je pensais être les bruitages pendant le petit documentaire qu'on a vu. Ce ne sont pas des bruitages, c'est vraiment ce qu'on entend dans cet espace. Ah bah, par exemple, au fil des saisons, on peut suivre le chant des merles qui oscille constamment, comme celui des chardonnerets. La période de séduction, la nidification, donc voilà ces petites musiques qui nous emportent du printemps à l'hiver. Parce que je suppose que vous avez dû voir émerger toutes sortes de biodiversité dans ce petit espace réduit. Mais oui, alors je ne pourrais pas vous faire une liste exhaustive, évidemment, tous les insectes qui réapparaissent chaque année. Mais j'étais heureux, bien qu'étant arachnophobe, de voir par exemple des araignées éperdiadèmes, qui sont de très belles araignées, il faut l'admettre, l'année dernière, colonisaient un peu le jardin, mais qui pour moi sont des araignées de la campagne. C'est pareil pour des variétés de scarabées. Donc la diversité est là et elle s'accroît. Alors, je vois qu'il y a des premières questions qui apparaissent. N'hésitez surtout pas à mettre vos questions, hein, que je soumettrai également à Evor. Il y avait la question de l'envahisseur qui a été abordée pendant le documentaire. Maintenant que cet endroit est un peu moins secret, est-ce que vous avez peur qu'il pourrait perdre en intimité ? Cet endroit, c'est un compromis. C'est une proposition très particulière pour cet endroit parce que, évidemment, moi, je voulais préserver la quiétude de mes voisins. Donc, la particularité aussi, c'est qu'on n'entre pas directement dans le jardin, qui, de toute façon, a une échelle réduite. Donc, moi, pour l'entretenir, je peux passer comme un petit mulot entre les plots, entre les micro-tuyaux de goutte à goutte, mais ce n'est pas praticable aussi pour des raisons de sécurité. Ce qui se passe aussi, c'est qu'on est dans un passage qui est fermé le soir, pendant la nuit. Ce qui évite des intrusions du vandalisme qui existent et qui sont un problème en centre-ville. Et combien de visiteurs pensez-vous qu'il y a par an et quel type de visiteurs ? Est-ce que c'est un public plutôt scolaire ou des touristes européens ? D'où viennent ces gens-là ? Alors, je ne pourrais pas vous donner de chiffres, je pense que c'est par milliers quand même maintenant. La diversité, elle est là aussi parce que, bon, alors, je vais parler de l'année précédente, hein, avant le Covid, beaucoup d'étrangers, des délégations de professionnels étrangers aussi qui viennent là pour voir ce petit jardin, ce petit modèle-là, et puis des groupes scolaires. Les Nantais aussi viennent beaucoup et reviennent d'année en année, et on m'a confié qu'ils avaient plaisir à amener leur famille, leurs visiteurs. Donc c'est très 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 varié. Il y a beaucoup encore de visites accidentelles. Il y a des gens qui viennent là en connaissance de cause, qui ont vu la communication, etc., qui en ont entendu parler. Donc ça fait boule de neige. Ça apparaît dans les guides touristiques ou pas encore ? Oui, de toute façon, je vois passer des conférencières, des personnes qui organisent des visites. Donc oui, c'est le cas. Et puis l'année dernière, on m'a dit si on ouvrait pour la journée du patrimoine, parce que c'était un dimanche, donc volontiers. Et comment finance-t-on un projet pareil ? J'imagine qu'au début, c'est complètement libre. Vous commencez petit, mais au fur et à mesure, il y a des questions de financement, d'entretien, de logistique qui doivent s'accumuler. Voilà, donc là encore, je vais parler vraiment pour cet exemple spécifique. D'abord, il faut investir énormément en passion, en amour. Ça, c'était pendant les 13 premières années, on va dire, donc avec mes propres deniers, beaucoup de récupération, etc. Et puis à partir du moment où le jardin a doublé de volume aussi, là, je n'étais plus seul, heureusement. Donc, il y a par exemple le SEV, le service des espaces verts de la ville de Nantes, qui m'ont fourni des contenants, parce que tout est hors sol, tout est en pot, le terreau aussi, un certain nombre de plantes. Le voyage à Nantes, d'abord, a financé et construit le belvédère qui permet de partager par la vue ce jardin, qui m'a acheté aussi des plantes. Et puis moi, je continue toujours à en investir. Alors après, maintenant, je suis rémunéré pour l'entretien de ce jardin, qui est un jardin vraiment à une petite échelle que j'espère devenir un jardin un peu haute couture. Ça veut dire qu'idéalement, petit à petit, je vais l'affiner dans le moindre détail et comme en haute couture, même les détails qu'on ne voit pas du belvédère et que de toute façon, on peut voir sur une page Instagram dédiée. Donc, il n'y a pas vraiment d'endroit secret en définitif. Mais c'est vrai que j'y vais le plus souvent possible pour parfaire l'endroit. Et est-ce que vous direz que ça reste un projet artistique ou au fur et à mesure, ça devient quelque chose de plus qui appartient à la ville finalement, plus que de l'art en soi ?
Moi, j'ai pas de réponse à ça. Ce que je peux dire et ce qui est vrai, c'est que c'est un jardin d'artistes, puisque je suis artiste. Les gens appellent ça une œuvre du parcours artistique du voyage à Nantes. Donc, pourquoi pas ? Moi, la seule chose qui m'importe, c'est que ce jardin existe, qu'il donne envie d'aller le voir et qu'il donne envie à ces gens, vraiment, je parlais d'impulsion, de voir ça ailleurs. Il y a une question, je suppose peut-être qui nous vient d'un public européen, qui demande, est-ce que vous auriez des petites recommandations pour pouvoir faire ça dans d'autres villes ? Quels sont les petits ingrédients qu'il faut pour que d'autres villes puissent s'inspirer de cet exemple et faire de même ? J'imagine qu'il faut de la détermination. De la détermination politique aussi, on ne peut pas faire ça. Alors, j'allais dire, on ne peut pas faire ça tout seul. Moi, j'ai quand même commencé. Ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que le jardin a existé les 13 premières années de manière illégale. C'est-à-dire que je n'ai pas demandé l'autorisation à la copro. Mais heureusement, j'ai une copro bienveillante qui a toléré cette expansion végétale et qui maintenant est vraiment de la partie et qui est très heureuse. Donc, c'était un coup de poker. Les premières années, je vivais toujours dans la crainte, en fait, qu'on me dise, bon, maintenant, ça suffit, vous êtes locataire ici. Vous n'avez pas le droit d'enlever toutes vos plantes, ce qui aurait été terrible. Mais là, l'intelligence était là, donc c'est un coup de chance. Ouais, vous avez eu des voisins bienveillants, mais je pense qu'ils maintenant doivent faire part entière du projet, je suppose. En fait, ce qu'a amené ce projet, par exemple, c'est une barre d'immeuble, mais divisée en deux numéros, le 7 et le 13. Et les gens du 7 ne connaissaient pas les gens du 13. Et puis, on a fait quelques pots d'inauguration du jardin. Et puis là, très simplement, mais comme par miracle, tout le monde a fait connaissance, s'est parlé. Donc, ça a créé quand même le lien qui parfois fait défaut dans un immeuble. Voilà, de relations. Bonjour, ça va, il fait beau. C'est quoi cette fleur et ce parfum, etc. Donc, ça a vraiment apporté des changements. Et chez vous, à l'intérieur, c'est comment ? C'est assez vert. Et là, comme je suis en phase de... Je rentre des plantes, j'élive sur tous les paliers de l'immeuble jusqu'au cinquième, mais également dans mon appartement. Là, le salon est en train de se transformer en une extension de la jungle intérieure, mais doublement intérieure. Vous me faites un peu penser à un clip musical de Björk. Oui. Partout où vous allez, ça oui, devient vert. Oui, c'est le clip de Michel Gondry. Oui, oui. Mais oui, en fait, j'aime qu'il n'y ait pas de restrictions. Au départ, quand j'ai proposé ce projet au voyage à Nantes, il y avait un sous-titre qui était... Alors, c'était « Jungle intérieure, folie douce ». Voilà, c'est ça. C'est une folie bienveillante qu'il ne faut pas restreindre, qui ne peut pas faire de mal. Et parlez-nous un petit peu de ce rapport alors aux plantes. Vous avez parlé de méditation horizontale, verticale. Qu'est-ce que vous souhaitez inspirer aux personnes qui nous écoutent dans ce rapport à la nature, surtout les personnes qui vivent en ville ? Bah moi, j'ai avant tout envie que ces personnes soient heureuses, soient bien. Et quand je vois des gens qui ne sont pas sensibles au végétal, je suis désespéré, je ne sais pas quoi faire. Peut-être que ce jardin-là va susciter des vocations ou des intérêts, notamment chez les jeunes personnes. Mais regardez, par exemple, on voit au Japon, il y a des groupes qui partent de Tokyo et qui vont dans les forêts. Donc, ils appellent ça thérapie, Sylvie ou Sylvo, quelque chose. Et juste pour toucher les arbres, les respirer... On sait aujourd'hui qu'il y a des particules qui tombent de l'arbre lui-même et qui rentrent directement dans la peau et qui procurent un bien-être. C'est la même chose quand on met les mains dans la terre. On est un petit peu... voilà. Moi, par exemple, quand je jardine, sans rien prendre, je suis bien, je suis un petit peu shooté. Je dis que c'est mon yoga, voilà, c'est mon addiction. Le bien-être, tout simplement. Alors, moi, je me pose une question, étant animateur de conférences. Est-ce qu'il faut parler aux plantes ? Alors moi, je me garderais bien de répondre pour les autres. Moi, je ne leur parle pas. Je me contente de prendre soin d'elles, de les respecter, d'être à l'écoute. Alors, elles ne me parlent pas non plus, mais elles m'envoient des signaux. En fait, pour moi, le rapport végétal, c'est très métaphorique. J'aime beaucoup les plantes, mais j'aime beaucoup aussi les humains. Et c'est la même chose. Il faut observer, il faut être à l'écoute. Il faut regarder les petits signes de détresse ou de santé. Vous êtes arrivé à Nantes il y a 14 ans, hein, c'est ça ? Alors, je suis né à Nantes, mais je suis revenu y vivre à mes 18 ans et je viens d'avoir 45.
Et est-ce que Nantes vous paraît être une ville propice pour ce type de projet? Est-ce qu'il y a aussi beaucoup d'espaces un peu similaires ou très verts à Nantes qui fait que ce projet a bien pris ici? Ou est-ce qu'en gros, il aurait pu prendre... Sans difficulté, je dirais oui, on est vraiment sur la bonne voie. Il y a des politiques très encourageantes que nous tous, en tant que citoyens, on est vraiment là pour essayer de pousser le curseur au maximum et exercer une pression bienveillante autour de nos décideurs. On est vraiment sur la bonne voie, on n'a pas à se plaindre. Ici, on n'utilise plus d'insecticides, de pesticides. Il reste un potentiel énorme. Moi, en tant qu'habitant de la ville de Nantes, je circule à pied ou à vélo. Je vois toujours des cours entr'ouvertes. Alors évidemment, par curiosité, je rentre et tout de suite, je me dis, oh là là, mais il y a un potentiel. Ne serait-ce qu'avec une grimpante, trois petits pots, mais voilà, un petit symbole. Alors, pour finir, quels seraient vos souhaits ou vos projets à venir qui permettraient de continuer cette révolution verte en ville? Ah ben écoutez, moi j'aimerais que beaucoup s'en chargent et pourquoi pas moi, puisque j'y prends du plaisir et en habitant cette ville et en visitant d'autres, j'espère voir ça ailleurs. Donc moi je me porte volontaire, mais il y en a beaucoup d'autres aussi dans la région qui font ça, qui ont des initiatives extrêmement intéressantes en cohérence avec les exigences écologiques, sociales. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Nantes et dans la région. Peut-être le sujet d'un projet ou d'un réseau européen d'artistes, de citoyens engagés qui créent des espaces verts en ville et qui pourraient s'enrichir mutuellement de leurs expériences. Vous en connaissez peut-être déjà? Mais je commence à en connaître de plus en plus parce qu'en fait, moi, c'était pas ma famille professionnelle au départ. Je viens de l'art contemporain. Donc là, je découvre, là encore, une famille très généreuse, très bienveillante, qui est toujours prompte à partager des petits secrets botaniques ou des expériences. Donc évidemment, c'est pas nouveau. Plus on est nombreux, plus on est fort. Alors je vais juste prendre une dernière question qui nous vient du public que je vois. Dans ce contexte urbain, peut-on laisser libre cours à la nature ou faut-il diriger le projet? Architecte ou libre? Alors la question nature-culture, ses frontières, il ne faut pas se faire d'illusions. À partir du moment où la main humaine intervient, il s'agit d'une fiction et de choix. Donc moi par exemple, si je n'utilise plus le terme vraiment très très laid de mauvaise herbe, il y a des herbes que je conserve pour leur qualité esthétique et d'autres que je ne souhaite pas conserver. À partir du moment où il y a la main de l'homme, c'est un compromis. Mais ça crée de la créativité et en tout cas c'est un projet merveilleux. Merci. Bravo à vous Evor, bravo pour cette belle initiative et on vous laisse sur cette inspiration, respirez, méditez, portez-vous bien et on se retrouve à 14h15 pour se poser la question comment devenir capitale européenne de l'innovation.